Que Jésus règne, il règne dans nos cœurs. Invitons Jésus qui nous gouverne. Oh, que Jésus règne, 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 règne dans nos cœurs. Invitons Jésus qui nous gouverne. Oh, que Jésus règne, 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 règne dans nos cœurs. Invitons Jésus qui nous gouverne. Qui d'autre a payé, payé le prix pour nous dit-il, Jésus. Qui nous gouverne. Il n'a pas tant que nous t'accompagnons.
Alléluia. Acclamons, acclamons Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous allons commencer les exposés. Le leader est déjà en place. Ce matin, nous aurons la région du Poro, du Ifou, des Grands Ponts, du Bélier, de l'Odiboua, de la Niébitiassa, de Gontougo, de Worodougou et de l'Indéné Djouablin. C'est ce qu'on a déjà reçu leur rapport. Donc, s'il y a un régional qui vient d'arriver, qui doit nous remettre son rapport, qu'il le fasse. Que Dieu nous bénisse. Il y a l'enseignement le soir. Nous sommes obligés de donner 20 minutes à chaque exposant. Gloire à Dieu. Si nous ne faisons pas ça, même ceux que j'ai cités là ne pourront pas tous exposer. Donc, quand on te donne la parole, tu vas à l'essentiel. Et après cela, on fait la photo de famille. Et vous venez vous asseoir. L'autre équipe monte, elle expose. On fait la photo de famille et ils viennent s'asseoir également pour que plusieurs puissent passer. Si tu as une question pendant que les autres passent, note. Tu notes la région plus la question, tu la notes. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est bien compris? Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc nous allons inviter le premier intervenant, c'est-à-dire la région de Poro, à prendre la parole. Donc vous montez comme des vaillants, acclamons le Seigneur. Montez avec zèle. Acclamons, acclamons. Ils n'ont même pas fini de monter, vous avez déjà arrêté de vous. Ce sont nos heureux au nord. Alléluia. Gagnez une âme au nord, vraiment. Il faut beaucoup de prières. Ce sont nos héros. C'est eux qui combattent pour nous. C'est eux qui gagnent les âmes pour nous. C'est eux qui sont là-bas pour nous. Alléluia. Donc, équilibrer pour qu'il y ait presque le même nombre de personnes à gauche ou à droite. Voilà. Les missionnaires de couteau, là, passez ici vers le pasteur. Voilà. Alléluia! Soyez bénis abondamment. Bonne et heureuse année 2024 à tous et à toutes. Avant de commencer notre bilan, je voudrais dire une chose importante. L'église du diocèse des Savanes a connu, après la retraite des missionnaires et la présentation des vœux des épreuves au niveau des individus, et au niveau aussi de certaines églises. L'opération que j'ai subie, on a fini tout juste après la présentation des vœux, j'ai dû passer à Abidjan ici même, presque 2 mois. Je dis pas ça parce que ça peut avoir un impact un peu sur nos effectifs. Et donc, l'église également de Takasedougou a connu pas mal de difficultés, des épreuves, vraiment en 2023, et aussi l'église Mbengue. Même par la grâce de Dieu, Dieu est avec nous. L'église Fakresedougou est debout. Nous sommes rendus le dimanche surpassé. On tacle les frères étaient nombreux. Et le jour service s'est passé très bien. L'église est en vie. Et debout même d'ailleurs. À Mbengue, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que notre église soit restaurée. Et même avec 50 membres. Alléluia, c'est important que je le dise. En 2022, nous étions 1817. Et donc, en 2023, par la grâce de Dieu, nous sommes 2021. Soit un ajout de 204 nouvelles âmes. Au niveau de l'évangélisation, eh bien, il y a eu des évangélisations dans les zones, dans les églises, et même la jeunesse a fait ses évangélisations.
On a eu à évangéliser 14 834 âmes en 2022 et en 2023, 10 000. Le nombre de repentances est de 180 âmes en 2023, nombre de baptêmes 103. La localité atteinte, 55. 10 départements atteints. 11 préfectures, 34 villages atteints, 41 assemblées. Le nombre de rencontres s'est élevé à 2262 rencontres. Où nous avons eu, au niveau de la jeunesse, il y a eu des activités de la jeunesse, 21 jours de jeûne complets à la chaîne, des marches de prière à l'extérieur comme à l'intérieur de l'université. Le GBU s'est organisé. Chaque mercredi, ils ont, eh bien, dans les lycées et collèges et universités, des rencontres de prière et d'évangélisation. On a même déjà eu, par la grâce de Dieu, une demande d'une salle qui a été accordée officiellement au lycée Oubani, où la jeunesse se réunit chaque mercredi. Pour les chambre de prière, les rencontres, comme je l'ai dit, 2062, les croisades, 66 croisades ont eu lieu. Nous avons 17 chambres de prière. Les heures des chambres de prière se lèvent au total à 35 488 heures, 21 minutes. Au niveau des jeunes, il faut le dire, par la grâce de Dieu, l'Église du Nord a progressé. Le Seigneur nous a aidés. Et on a commencé la bataille en 2017, nous étions deux. En 2018, nous étions trois. En 2019, nous sommes presque cinq. Mais en 2020, on était déjà 13 personnes. En 2021, nous étions à peu près déjà 22 personnes en 2022 et en 2023, l'année dernière, on était 24 à jeûner 40 jours complets. Dieu nous a soutenus. Moi-même, malgré l'opération, je suis entré dans le jeûne, par la grâce de Dieu. Les brisements de liens, on a eu 83 brisements de liens. Nombre de naissances, 10 naissances. Nombre de décès, on en a eu 6. Une même à Krogo. Nombre de dirigeants, 85 dirigeants. Les semaines ont eu des activités que je ne vais pas détailler ici maintenant. Sinon, ils ont toujours été présents au ramassage de la principauté de façon active. Dans tous les camps d'Abidjan, ils sont toujours présents. Merci. Et donc, au total, leurs rencontres se lèvent à 80 rencontres. Activités de la jeunesse, il y a eu 73 activités de la jeunesse et je voudrais signaler les dernières activités. Il y a même eu des activités, des évaluations nocturnes, où la jeunesse quittait déjà le centre à 20h pour finir à 2h du matin pour l'évaluation dans la ville. Cela parce qu'on a constaté que les week-ends, beaucoup étaient encore dans les rues. Il fallait quand même les toucher. Et dernièrement, ils se sont rendus à Yenengue pour une sortie de tente où il y a eu un jeu biblique. Moi-même, j'y étais avec eux et les activités sont soldées par la fin en 2023, en décembre, par la nuit de prière, le 28. Et puis, finalement, leur activité, il y a eu 2000 jeunes, 2000 jeunes gens qui ont été touchés par notre évangile. Et puis, il y a eu dans ces 2000 personnes qui ont été touchées, il y a eu 20 personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Ça, je parle des activités de la jeunesse. Et puis, 6 personnes ont été baptisées dans ces 20 personnes. Les délivrances, nous avons eu 582 délivrances. Nombre de guérisons, 165 guérisons. Tout à l'heure, on aura quelques témoignages. Nombre de visions, ça, 128 visions. Les visions sont multipliées pendant le jeûne de 40 jours. Prière pour les missionnaires, 538 heures, 7 minutes. Missionnaires internationaux,
Les missions nationaux, depuis que ça a été lancé, on a eu à faire investir 176 heures 24 minutes. Nombre de dots, 3 dots, 3 mariages. Les acquisitions, il y a eu une moto, par la grâce de Dieu, qui a été offerte à notre missionnaire de Ouangloudougou, une toute nouvelle moto de puissance. Et puis, un terrain, je crois bien. Ça doit être. Ok. Gloire à Dieu. Je voulais terminer par. Non, les présentations, c'est la fin. Hein, après la fin, on se présente. Je voulais terminer par la retraite des missionnaires. Merci. Chaque fois, l'année dernière, en 2003, on a décidé de faire les rencontres tournantes dans le but de pouvoir consolider notre communion fraternelle. Et donc, déjà, nous étions à Ouangloudougou. Nous sommes allés à Fakasedougou. Nous sommes allés à Mbengue. Et on a terminé en décembre à Tingrela. C'était juste merveilleux. Juste merveilleux. Frère, la mission est passionnante. Pour la première fois, parce que là-bas, on a organisé un week-end évangélique. Et pour la première fois, j'ai dû prêcher l'évangile aisément à une autorité de la place, Madame le préfet du département. Elle était venue avant l'heure. Avant l'heure, elle était déjà là. Le pasteur m'a appelé pour dire, ah, mais pasteur, madame, elle est là. Mais elle le reçoit là au salon. Elle est restée là jusqu'à ce qu'on commence. Elle est restée là jusqu'à la fin. Et j'ai dû lui dire, sous l'onction, Madame le préfet, ne voulez-vous pas devenir aussi disciple de Saint-Jésus-Christ? Elle est restée perplexe. Vous savez, les autorités. Mais à la fin, quand elle a pris la parole, elle a dit vraiment, elle a été touchée par le message. Ça m'a marqué personnellement. Et aujourd'hui, le pasteur a gardé une bonne relation avec elle, dans l'espoir qu'un jour, on va se donner à Jésus pour être d'un autre. Les projets pour terminer sur ça, j'espère, sinon. On a eu bien financé, mais ça a été dit qu'on n'irait pas ça ici. Ok. J'ai fini par un bilan important qui avait été donné dans mon compte de travail. On s'est assis et on a réfléchi un peu sur le fait que, ok, j'ai compris, on avait au moins beaucoup de regards. Il fallait les identifier et identifier tous les déplacés. Par conséquent, le résultat, eh bien, de nos travaux, on a eu comme effectif initial 2021, eh bien, effectif, nombre de déplacés, c'est-à-dire ceux qui ont été affectés et qui ont quitté notre zone, 157 déplacés, et l'effectif actuel, c'est 1870, que les gens qu'on peut toucher, qui viennent fidèlement dans nos assemblées, dans le Nord. 1864, un nombre de rétrograde, 414. Et donc, ajout, 204 rétrogrades actuels, c'est-à-dire que les gens qui ont qu'on a travaillé dans les 414, il nous reste maintenant à poursuivre 210. Et le fait concret, c'est 1654. Voilà. Donc voilà à peu près le temps qu'on a fait. Je pense qu'on a fini. On va laisser les frères se présenter ou je commence sur moi-même. Perspective. Les perspectives. Ok, oui. Merci. On doit s'attendre à quoi l'année prochaine? Ok. Nous voulons être 4021 en 2024. Nous voulons atteindre 4021, même au niveau de la région du Nord. On veut ajouter un effectif de 2000. On veut évangéliser 50 000 personnes cette année 2024. Implanter 45 assemblées. Et la localité que nous voulons atteindre, on veut ajouter à nos localités plus 28 localités. Voilà ce que nous voulons faire cette année. Je suis votre frère Roméné Nyagno Opéry Sorwan. C'est Sorwan, c'est pas Chomman. Sorwan. Je suis missionnaire à Korogo, chargé de la conquête spirituelle des régions du district, spirituelle des régions du sud et savane. Nous sommes mariés depuis 6 mars 1999. Nous avons 5 filles. Gloire à Dieu. Je suis Bridget Sylvie Marcel, épouse Roméné,
Nous avons 6 enfants et 5 filles. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Toato Blikewa Fabrice et missionnaire à Korogo auprès du pasteur Romené au Péri. Et j'ai pour faisant le disciple le pasteur Meyer Boniface. Et par la grâce de Dieu, je suis marié et nous avons 3 enfants. Je vais laisser mon épouse se présenter. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Conan Amenan Mat, épouse Toato. Et je suis missionnaire numéro 2 auprès du couple Romené. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Kobina Wairi André. Et je suis marié. Nous n'avons pas encore d'enfants. Le pasteur Ménier me faisait des disciples. Je suis missionnaire à Wangolo Tugu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Amani Aya Victoire, épouse Kobena. Mon faiseur de disciples, c'est maman Colette. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis missionnaire numéro 2 à Wangolo Tugu. Gloire à Dieu. Je suis le frère Viega Girard. Mon faiseur de disciples, c'est le missionnaire de la région de Ifou, le pasteur Yao Kofi Daniel. Je suis missionnaire à Mbengue. J'ai mon épouse, mais pour entrer à Mbengue, il y a un problème. Korogo Mbengue. Il y a plusieurs corridors. Si tu n'as pas de pièces, c'est dangereux. Donc elle est allée faire ses pièces, c'est pourquoi elle n'est pas avec moi. Elle a retiré sa pièce. C'est le monsieur marié, père de 3 enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Digbe Gabo Esmel Jules. J'ai 3 enfants, 4 enfants. 3 biologiques et 1 adoptif. Alléluia. Je suis missionnaire à Fekesedougou. Vous avez 3 enfants ou bien tu as 3 enfants? Nous avons 4 enfants, 3 biologiques et 1 adopté. Gloire à Dieu. Je suis votre sœur Ngeta Aduya José Maria, épouse d'Ibé, missionnaire numéro 2 à Fekesedougou. Nous avons 4 enfants, 3 biologiques et 1 adoptif. J'ai pour faiseur de disciples, maman Ménie Colette. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Gazoua Franck Israël et je suis missionnaire dans le département de Koutou. Et nous avons, mon épouse et moi, nous avons un fils. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis la sœur d'Agri Anne Théophile, épouse Gazoua. Je vous faisais d'ici, maman Prudence Nguessan, missionnaire numéro 2 à Dabou. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur missionnaire Mbesso Yacinthe Elvis. Je suis missionnaire basé à Tengrela. Mon épouse et moi, nous avons 3 enfants, un garçon et 2 filles. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sika Ange Karine José, épouse Mbesso. Je suis la missionnaire numéro 2 dans le département de Tengrela. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Jésus Yao Bertrand, missionnaire à Dikodougou. Mon épouse et moi, nous avons une fille du nom Yao Akisi Ndefe Sagesse. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Gelou Tiziena Modestine, épouse Yao. Je suis missionnaire numéro 2 à Dikodougou. Amen. Je m'appelle Amon Joseph, je suis missionnaire à Bondiali. Mon frère d'ici, c'est le pasteur Migné Boniface. Je suis marié, père de 2 enfants. Gloire à Dieu! Je suis la sœur Akolo Yawa Azita, épouse Amo. Je suis missionnaire numéro 2 à Bondiali. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu! Je suis votre sœur, la sœur Kwaku Ayazia Odette. J'ai mon fils d'ici, pasteur Miné Boniface. Je suis missionnaire stagiaire à Cinématiali, célibataire. Gloire à Dieu.
Je suis la sœur Upo Akeno Sylvie. Je suis missionnaire stagiaire à Sinmatiali auprès du pasteur Roméné. Amen. Célibataire. Gloire à Dieu. Je suis Dribi Kona Franky. Je suis missionnaire à Congo. Et mon frère d'ici, c'est le pasteur Miné Boniface. Je suis marié, père de deux enfants. Amen. Ok, donc nous passons à la photo de famille. Ou bien... On finit par les témoignages. Mais c'est bon? Le temps... D'accord, ok. Pas de quoi. Merci. Un témoignage. Ok. C'est juste le témoignage de la sœur Mariam qui, miraculeusement, a été délivrée d'une opération chirurgicale. En effet, elle devait être opérée parce que l'enfant avait autour de son cou le cordon ombilical et c'était vraiment difficile. On devait l'amener à l'opération et puis, par la grâce de Dieu, on a prié, elle a été délivrée. À Kong, c'était pareil aussi. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, mais papa, on dit que tu es prophète. Moi, je crois que si tu pries, je peux être guéri. Elle aussi, le bébé, il y avait aussi le cordon ombilical. La salle leur dit, on te délivre un papier pour que tu ailles à la crise de groupe pour l'opération. Elle me voit, elle m'a appelé au téléphone. J'ai dit, bon, on va prier. J'ai appelé le pasteur Tribi, un peu la main à sa femme. J'ai commandé, j'ai d'abord parlé au bébé qui sorte la même heure. Au même instant, voilà. Et puis, j'ai commandé au cordon ombilical de se dérouler. Et puis, c'était ainsi. Elle a accouché systématiquement. C'était merveilleux. Je pense qu'elle n'est pas là à voix basse parce qu'elle a accouché franchement, hein, n'est-ce pas, un garçon? Ils m'ont demandé, comme tu es un prophète, alors donne un nom. J'ai dit, bon, laisse-moi prier. J'ai donné le nom de Élisée. Alléluia! Dieu avec nous. On finit même avec le témoignage de aussi la non, sœur. Un témoignage, c'est bon. Non, non, mais. Ah bon, d'accord. Okay. Un témoignage, c'est bon. Sinon, la c'est photo de famille. On va enlever tout. Si tu t'arrêtes à côté de ta femme, il faut qu'elle soit à ta gauche. Regardez, vous êtes sortis. Allez-y comme ça. Poussez comme ça. Voilà. La photo de famille. C'est bon? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Accueillons nos frères de la région du Yifou. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur jusqu'à ce qu'il finisse de monter. Acclamons encore. Ils n'ont pas encore fini. Si ton épouse est là, rassure-toi qu'elle soit à côté de toi pour ne pas nous amener à faire beaucoup de gymnastique. Nous préférons que les présentations se fassent dès le début, si ça ne change pas à votre organisation. Parce qu'il est bon de savoir qui me parle, qui nous parle. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes la région spirituelle de l'Ifou. Et je suis le pasteur Yao Kofi Daniel, missionnaire basé à Daoko, chargé de la conquête de la région spirituelle de l'Ifou. Je suis marié, père de 5 enfants. Gloire à Jésus. Mon épouse va se présenter. Gloire à Dieu. Je suis Kwasi Akisi Emily, épouse Yao. Mon faiseur de disciples, c'est Maman Colette. Je suis missionnaire numéro 2, basé à Daoko. Amen.
Je suis la sœur Wande Nina, épouse Kwadio. Je suis frère d'ici, la sœur Nguessan Rachel d'Abidjan. Je suis missionnaire numéro 2 de Kotobi. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwaku Aou Noël, missionnaire de la littérature basée à Daou auprès du pasteur Daniel. Célibataire avec 3 filles. Je suis le pasteur Adou René, missionnaire basé à Mbato. Je suis marié, père de 4 enfants. Mon épouse est là. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwadio Aou Agnès, épouse Adou, missionnaire basé à Mbato. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Abou Assamoua Séraphin, missionnaire basé à Ara, marié, père de 4 enfants. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis votre sœur, Sophie Léontine, missionnaire numéro 2 à Ara, épouse à bois. Amen. Je suis la sœur Dorcas, Wei Dorcas, épouse Kwaku, missionnaire numéro 2 à Priko. Gloire à Jésus. Moi, c'est votre frère, Koumi Kessé Pascal, missionnaire numéro 1 à Saoufoué, marié et père de 3 enfants. Gloire à Dieu. Je suis votre frère, Ouye Yoroa, missionnaire à Bongwanou. Je suis marié. Nous avons 8 enfants ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre sœur Boui Zion Léa, missionnaire numéro 2 à Bongwanou. Mon faiseur de disciples, c'est maman Colette Meunier. Nous avons 6 garçons, 2 filles. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Nguessan Kona Hervé, missionnaire à Mbayakro. Je suis marié. Mon épouse et moi, nous avons 3 filles. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Djégré Kakou Serge Hervé Eric, missionnaire à Bokanda dans la région spirituelle le Ifou. Je suis marié, père de 3 garçons et de 4 filles. Nous avons 7 enfants. Mon épouse. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Gounian Maïblé Michel, épouse Djégré. Je suis missionnaire numéro 2 dans la zone spirituelle du Ifou, basée à Bokanda. Mon frère de disciple, c'est l'ancien Douassaï. Amen. J'ai le même frère de disciple que mon épouse, l'ancien Douassaï. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Zidago Brigitte Kwadio, épouse Bla, missionnaire numéro 2 à Dembokro. Mon mari n'est pas là pour questions professionnelles. Il sera là ce week-end. Et j'ai 8 enfants, j'ai 4 garçons et j'ai 4 filles. Amen. Vous avez ou bien tu as? Nous avons 4 filles, 4 garçons. Mon fidèle des disciples, c'est maman Tala. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Kramo Kwaku Joseph, missionnaire à Elinjoué, basé à Andé. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Ngisa Nganza, épouse Kramo, missionnaire numéro 2 de Elinjoué, basé à Andé. Mon frère et disciple, c'est pasteur Daniel. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Billy Anselme. Je suis missionnaire stagiaire près du pasteur Daniel, qui est mon frère de disciple. Je suis célibataire. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Afia Kwame Zahi Gabriel, missionnaire à Agbosou. J'ai pour frère de disciple l'ancien Edia Antoine. Je suis marié. Je suis le frère Ngoran Kwasi Antoine. Mon frère de disciple, c'est pasteur Isidore Kwadio. Je suis missionnaire à Andé.
célibataire, deux enfants. Gloire à Dieu. Et nous sommes en tout, au total, 33 missionnaires dans notre région spirituelle de l'Ifou. Notre région spirituelle de l'Ifou est située au centre-est de la Côte d'Ivoire. Et cette région spirituelle est composée de trois grandes régions administratives qui sont le Ifou, le Nzi et le Moronou. Cette région a 8 grands départements que nous avons érigés en centres missionnaires et 28 sous-préfectures et 539 villages. Cette région spirituelle a une population de 1 072 938 habitants. Sa superficie est de 35 185 km². Avec une densité de 29,8 habitants au km². Les peuples de cette région sont les Baoulés, les Agni et les Ando en majorité. Et nous cohabitons avec d'autres peuples des pays étrangers. Nous avons comme région voisine les régions limitrophes. À l'est, l'Indénié Djouablin. Au nord, le Hambol et le Gontougo. À l'ouest, le Gbeke et le Bélier. Et au sud, l'Agnébitiassa et la Mé. Gloire à Jésus. Nous avons travaillé par l'aide du Seigneur pendant l'année 2023 et nous voulons vous présenter les résultats de l'année passée. En fin d'année 2023, notre effectif a passé de 4085 à 4746. Soit un ajout de 661 disciples. Et nous sommes passés aussi de 77 assemblées à 83 assemblées, soit un ajout de 6 assemblées. Les localités non implantées, nous sommes à 39 localités non implantées. Les 8 départements sont couverts. Nous étions l'année passée à 11 sous-préfectures sur 28. Nous sommes passés à 12 sous-préfectures sur 28. Les villages, nous étions à 79 villages l'année dernière. Et cette année, nous sommes passés à 84 villages implantés. Et les campagnes d'évangélisation, nous étions à l'année passée 66 campagnes. Et cette année, nous avons fait 146 campagnes d'évangélisation. Pour les retraites des dirigeants, nous étions à 5 retraites des dirigeants l'année passée, mais cette année, nous avons pu faire 3. Les croisades de prière dans la région, l'année passée, nous étions à 32 croisades, et cette année, nous avons fait 53 croisades, soit plus 21. Pour les chambres de prière implantées, nous étions à 28 et cette année, nous n'avons pas implanté d'autres chambres de prière. Nous sommes toujours à 28 chambres de prière. Les heures de prière investies
dans toutes nos croisades et nos rencontres de prière. L'année passée, nous étions à 36 264 heures. Et cette année, nous avons investi 70 379 heures, 2 minutes. Gloire à Jésus. Pour les jeunes de 40 jours du ministère, l'année passée, nous étions à 19 personnes qui ont pu faire les 40 jours. Cette année, nous avons eu 20 personnes qui ont pu faire les 40 jours. Et au niveau de toute la région, nous n'avons pas pu noter le nombre de personnes exactes qui ont jeûné de 1 à 39 jours ou 40 jours. Mais le peu qu'on a pu recueillir est de 232 personnes qui ont fait le jeûne. Gloire à Dieu. Pour les dots, le Seigneur nous a bénis avec 32 dots. Pardon, 22 dots, 22 dots. Merci. Et pour les mariages, le Seigneur nous a bénis avec 11 mariages. Pour les repentances, le Seigneur nous a bénis avec 464 repentances au moins, parce qu'on n'a pas pu enregistrer tout. Pour le nombre de baptêmes, nous n'avons pris que ceux qui ont fait le nombre de repentances. Donc 404 baptêmes. Pour les brisements de liens, on n'a pas pu avoir le rapport des équipes de brisement de liens qui ont travaillé, mais on a pu avoir que 258 brisements de liens enregistrés. Nombre de semeurs, 176 semeurs dans la région. Les agneaux de 1 à 18 ans sont 561 agneaux. Les activités des semeurs. Les semeurs ont travaillé, ont pu se rassembler pour faire les répétitions. Ils ont servi pendant les croisades, pendant les mariages, pendant les funérailles. Et on a pu enregistrer 753 activités des semeurs. Il faut dire que les semeurs, moi-même j'en fais partie, et j'ai commencé à acheter mes uniformes, mes tenues, merci. Et parfois, quelquefois, je chante avec eux. Et pour la jeunesse, il y a eu 74 activités des jeunes de la région. Pour les activités des agneaux, les agneaux ont eu des moments d'études, des moments de fête et plusieurs autres activités que nous notons ici au niveau de la région, 135 activités des agneaux. Au nombre de décès, 17 personnes, 17 frères nous ont dévancés auprès du Seigneur. Pour les naissances, le Seigneur nous a bénis avec 34 naissances. Pour la vente de la littérature, de notre littérature chrétienne, avec le rapport de la missionnaire de la littérature, nous avons pu vendre au moins 420 livres cette année. Pour mes tournées au niveau de la région, nous enregistrons 17 pour la visite aux églises. Pour l'UMPJ régional,
nous avons eu deux UMPJ au niveau de notre région spirituelle. Et pour la note que j'avais donnée, il y a eu erreur de frappe où mon secrétaire a noté 34 au lieu de 2 au niveau de l'UMP régional, l'UMPJ régional. Alléluia. Pour les témoignages, je voudrais rendre grâce au Seigneur. Avant la fin de la croisade de prière pour le jeûne du ministère, nous avons reçu un invité qui est venu d'un village et qui est venu participer à la rencontre. Ce jeune homme était dans un village et il a fondé une assemblée dans ce village. Et son assemblée à un effectif d'environ 20 personnes, 20 membres. Et nous étions, il est venu participer à notre rencontre. Quand il a vu les prières et la manière dont nous faisions les choses, il a décidé d'intégrer la CMCI. Alléluia. Et j'ai envoyé le président de la jeunesse deux fois dans son village, dans ce village, pour aller voir l'état de l'assemblée et pour voir s'ils sont sincères. Et il est parti. Le dirigeant a communiqué son engagement à intégrer la CMCI à tous ses fidèles. Et ils ont approuvé l'engagement. Et le président de la jeunesse a organisé leur repentance. Il a d'abord prêché l'évangile, il a lancé l'appel, ceux qui se sont donnés. Il a organisé leur repentance. À sa deuxième visite, et ils ont conduit 19 d'entre eux à la repentance. Et le dimanche, avant que nous venions, nous avons tenu un culte d'ensemble où ils étaient venus de ce village. Et nous en avons baptisé 14 parmi eux. À notre retour, nous irons faire l'implantation. Alléluia. Nous disons donc merci à Dieu de ce qu'il les a ajoutés à notre effectif. Et ce jeune homme est allé encore contacter ses collègues qui font des camps de prière pour dire que j'ai intégré un ministère qui est bon. Donc j'ai fait l'entretien avec une prophétesse qui a aussi un camp de prière. Et je lui ai communiqué notre vision. Je lui ai partagé la formation des disciples et elle m'a dit qu'elle va faire la repentance. Donc, à mon retour, nous allons poursuivre cet entretien-là. Gloire à Dieu. Et je voudrais aussi rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir une nouvelle voiture. La première, au mois d'avril passé, était en panne et nous avons envoyé à Boaké pour des réparations. Et telle que la chose se passait, vraiment, les pièces étaient très difficiles à avoir. Donc, les anciens se sont concertés. Ils ont dit, il faut que nous la vendions et nous changeons. Et ils nous ont surpris avec une nouvelle voiture que vous voyez. Donc, nous disons vraiment merci à Dieu qui nous équipe pour la conquête. Merci aussi à toutes vos prières qui nous soutiennent sur le champ de mission. Alléluia. Voilà. Bon, comme on n'a que 20 minutes, 4 minutes. Comment ? 5 minutes. D'accord. Donc, pour les objectifs de l'année 2024, nous avons essayé de réfléchir sur la fin de l'année 2025 qui est l'année de la fin des objectifs de la phase 3 de notre œuvre. Nous devions, au niveau de la région, offrir 74 000 disciples dans cet effectif, dans l'effectif global du ministère.
Donc, nous y avons réfléchi. Nous avons vu que c'est notre avant-dernière année. Ah, donc, nous devons vraiment crier à Dieu cette année pour que notre effectif atteigne 50 000 disciples. Et l'année prochaine, nous allons offrir tous les 94 000 disciples. Donc vraiment, c'est un objectif colossal, mais nous comptons sur le miracle de Dieu qui peut accoucher une nation en un seul jour. Alléluia. Nous comptons aussi sur le Seigneur pour implanter, pour atteindre 500 assemblées. 500 assemblées de 50 à 100 membres. Nous voulons l'année 2024 où le jeûne du ministère atteigne 50 jeûnes de 40 jours complets. Nous voulons aussi atteindre 100 000 heures de prière au moins et les campagnes de salut et de guérison en faire 50, les week-ends d'enseignement en faire 16, les UMPJ de la région en fait 2 et les retraites des dirigeants 4. Voici en grosso modo les objectifs que nous allons poursuivre pour l'année 2024. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au moins un témoignage. On est, vous avez déjà rendu deux témoignages. Ok. Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Le Seigneur était avec nous aussi. Durant l'année 2023 à Ara. Alléluia. Courant avril, nous avons une jeune musulmane qui faisait cette activité d'attiéké dans le quartier. Et elle a eu un jour après la vente, elle a vu que les gens sont venus déposer les œufs. Non, disons fétiche, l'ont déposé dans son lieu de vente. Elle n'a pas considéré, elle a vendu toute la journée. Et deux jours après, elle a eu un bouton qui est sorti sur la jambe. Et toute la jambe, la journée là, sa jambe a enflé jusqu'aux cuisses. Elle ne peut plus marcher. Elle est assise. Ça fait trois jours. Il y a eu déjà, le bouton a commencé à faire du puits. Donc, ils nous ont avertis. Nous sommes partis là-bas, je suis parti avec quelques dirigeants. Et nous avons prêché la parole. Elle est musulmane. Bon, elle a accepté. On a prié pour elle. Et nous sommes revenus. Le lendemain, nous sommes partis. Le pied, tout est descendu. Gloire à Dieu. Donc, elle a commencé déjà à venir à l'Assemblée et à la suite, on l'a baptisée. Elle est dans l'Assemblée, elle adore avec nous. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur pour un miracle qu'il a opéré au niveau de Daoukro pour la guérison d'un jeune homme appelé Mohamed. Notre sœur, une de nos sœurs qui s'appelle André Yolande, a eu son fils dépressif et qu'elle a envoyé à Daoukro et qui a été avec nous pour les prières que nous avions organisées au temple, les prières de délivrance et de guérison. Pendant les trois ans de prières, quand elle est arrivée, elle a intégré. Pendant trois ans, nous avons prié pour son fils. La troisième année, son fils a été guéri et il a repris l'école. Or, dans le temps, elles étaient deux. Elle avait un ami qui avait aussi son fils dépressif. Et quand son fils a été guéri, elle a appelé son ami. Vraiment, je suis venu ici à Daoukro, j'ai intégrer une communauté, nous avons organisé une prière dans notre église et mon fils est guéri. Si tu peux envoyer aussi ton fils ici.
Donc, cette dame, elle est musulmane, c'est une famille de musulmans. Elle a envoyé son fils là-bas. Et elles sont restées avec leur camarade, la sœur. Et tous les matins, les lundis, mardi, mercredi, elle envoyait son fils au temple pour recevoir les prières. Et vous savez, quand, au temple, quand les gens se donnent, on me les envoie pour les conduire à la repentance et faire les brisements des liens. Le premier jour qu'ils sont arrivés, ils m'ont fait venir le jeune homme qui s'appelle Mohamed, dépressif. On était au salon, je lui pose les questions, aucune réponse. Toutes les questions que j'ai, même que j'appelle son nom, il ne répond même pas. Bon, j'ai dit dans ce cas, continuez à intercéder pour lui au temple et je sais que ça va aller. Donc, chaque matin, il venait au temple, on priait et après un moment, le jeune homme a commencé à se retrouver, on pouvait l'appeler, répondre et on pouvait lui parler. Donc c'est ainsi qu'on l'a fait venir, je l'ai conduit à la repentance, on l'a baptisé, on a fait son brisement des liens et Mohamed a été guéri, délivré. Sa mère, étant musulmane, elle s'est convertie, on l'a baptisé. Sa mère a fait venir sa petite sœur. Elle aussi, elle s'est repentie. Elle s'est donnée. On l'a baptisée. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce miracle qui a produit encore des âmes. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour cette grande œuvre que vous avez faite. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc on passe à la photo de famille.